Il est 20h, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour avec respectivement, vous le voyez, 28,6% des voix pour Emmanuel Macron, 24,4% pour Marine Le Pen. C'est désormais officiel, les Français sont soit cons, soit sadomaso, soit victimes d'amnésie collective, soit trop riches, soit illettrés et alcooliques, soit tout en même temps. Comment l'un des pires présidents peut finir premier avec un tel bilan? Non mais moi, si je bosse aussi mal à mon taf, je suis viré, moqué, blacklisté et fiché. Pour retrouver un travail, il faudra ensuite que je traverse la rue, mais sur une autre planète. Macron, lui, fait de la merde durant 5 ans et il améliore son score de 5 points par rapport à 2017. La recette de Manu pour être aimé, c'est de pratiquer la dictature douce en détruisant la démocratie, les services publics et les acquis sociaux. Ce faux gendre idéal avait promis en 2017 de moraliser la vie publique. Mission ratée dès le début de son mandat avec de nombreuses affaires impliquant son gouvernement, Bayrou, Dupont-Moretti, Richard Ferrand, Laura Flessel, François de Rugy et Léo Marre, Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn et sa mise en examen, et la rocambolesque affaire Benalla. Macron a tellement de casseroles qu'à côté, Sarkozy, c'est un saint. Macron a aussi d'autres faits d'armes notables. La crise des gilets jaunes, magnifiquement gérée à coups de LBD en arrachant au passage yeux et mains de manifestants, venant simplement réclamer plus de démocratie, de dignité et de pouvoir d'achat. La loi de sécurité globale, la gestion catastrophique du Covid, masque, pas masque, plage dynamique, auto-attestation, les confinements, les couvre-feux, la fermeture de 17 900 lits d'hôpitaux en 5 ans, le pass sanitaire et le pass vaccinal qui ont créé une discrimination ignoble, surtout pour l'accès aux soins, la suspension de milliers de soignants et d'autres professionnels soumis à l'obligation vaccinale, privés de salaire et dans l'impossibilité de toucher la moindre aide. De régulières prises de parole méprisantes du monarque envers ses sujets. Ce banquier millionnaire Macron qui n'a déclaré que 500 000 euros de patrimoine pourrait avoir eu recours aux paradis fiscaux. Et évidemment, la banque Rothschild dément. Remarque, Jonathan Daval aussi disait être innocent. Le scandale McKinsey et ses milliards d'euros n'a été révélé dans les médias généralistes qu'à la fin de la campagne. Macron, c'est aussi le président qui ridiculise la France à l'international. Il a été exceptionnel, par exemple, pour accélérer l'entrée en guerre de la Russie lorsqu'il est allé voir Poutine. Macron, c'est le bon toutou de l'Union européenne et des États-Unis, incapable de prendre une position souveraine pour protéger son pays de l'ogre mondialiste. Bref, des 12 candidats, c'était objectivement le plus nul, puisque les autres avaient au moins le mérite de ne pas encore avoir été président de la République. La stratégie habituelle est donc de retour. Un candidat d'extrême droite face à un républicain qui gagne à chaque fois grâce au barrage imploré par quasiment tous les perdants qui demandent de ne pas voter pour le monstre fasciste. Et les 5 ans de Macron qui viennent de s'écouler, c'était quoi pour ces moralisateurs? 5 ans de plus avec Macron, c'est la fin de la sécurité sociale, c'est le travail jusqu'à 65 ans et les retraites en baisse, la fin de la démocratie, la suite de la destruction du service public, le retour du pass et une précarité qui risque encore d'augmenter. Sans oublier la potentielle entrée en guerre de la France pour des conflits qui ne la regardent pas. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, je parlais de ils votre sont partie. Sur les réseaux sociaux. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors, que faut-il faire pour ce deuxième tour, Macron ou Le Pen? Je vous l'accorde, aucun des deux n'est un choix parfait. Cependant, il y en a un des deux qu'on vient de voir au pouvoir pendant 5 ans. Barrage contre Macron ou barrage contre Le Pen? Mais je pense qu'en 2017, soyons clairs, il n'y a pas eu de Front Républicain. Le Front Républicain, c'est 2002. C'est 2002, un soir d'avril, toute la presse dit « c'est affreux, jamais ça ». Tous les partis politiques du champ républicain, c'est affreux, plus jamais ça. 2017 et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. C'est... Vous n'avez pas peur de ce second tour. Mais j'ai jamais peur. Je vais au combat. Je ne supporte pas l'idée de vivre dans ce pays où les gens sont suffisamment cons pour aller voter pour un type qui est manifestement une ordure. Et je vous l'annonce. Je réintégrerai les 15 000 soignants expulsés comme des malpropres. Mais je ne me limiterai pas, mes chers amis, à les réintégrer.
Je leur verserai les salaires dont ils ont été injustement privés en les jetant dans l'angoisse et le désespoir. Je dis le voile est en fait imposé par les islamistes. Au fur et à mesure du temps, ils ont utilisé le voile comme un uniforme, voilà, qu'ils imposent aux femmes, et c'est vrai qu'ils leur imposent, puisqu'en réalité, les femmes qui ne le portent pas sont isolées. Mais certaines disent qu'elles sont libres. Vous avez sans doute vu l'échange entre Emmanuel Macron et une femme voilée à Strasbourg. Avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg, qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» C'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Pourquoi cela nous insécurise, ce voile ? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés à cette égalité entre l'homme et la femme. Vous n'interdirez ni la djellaba ni la barbe islamiste. Mais j'interdirai les uniformes islamistes. C'est quoi un uniforme islamiste ? Mais écoutez, la loi déterminera de manière très précise ce qui correspond vous allez à des vêtements. Prendre un double centimètre pour voir si les chevilles sont montrées. Madame, il y a des signes d'un certain nombre d'idéologies totalitaires par le passé qui ont fait beaucoup de mal à notre continent, me semble-t-il. Ce sont des signes d'être du côté de l'ennemi. Nous y arriverons. Pour moi, Marine Le Pen commet une erreur stratégique notable. Insister sur la viande halal, mais surtout sur l'interdiction du port du voile dans l'espace public, avec la possibilité de mettre des amendes aux contrevenants, va lui faire perdre l'adhésion de certains musulmans qui auraient peut-être voulu voter pour elle. Il aurait fallu plutôt inclure que diviser. Macron ne fait pas partie du Rassemblement national, mais c'est bien lui qui, durant son quinquennat, a fait voter la loi sur le séparatisme. Le but de cette loi, c'était la lutte contre la propagande djihadiste. Plusieurs lieux de culte soupçonnés de prôner un islam radical ont été fermés. Grâce à un arsenal législatif renforcé, cette loi a permis la dissolution de nombreuses associations. Malgré cet arsenal législatif, les procédures administratives pour fermer les mosquées sont régulièrement dénoncées par ceux qui les subissent. Elles se fondent essentiellement sur des notes blanches des services de renseignements, comme l'affirment plusieurs sources judiciaires. Celles-ci, ni signées ni datées, reposent sur des données électroniques privées ou sur le témoignage d'informateurs. Elles n'ont pas toujours la rigueur juridique et factuelle sur laquelle doit reposer tout élément de preuve, estimée en 2018 la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la protection des droits humains et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Ces notes remettant indûment en cause la présomption d'innocence ont pour effet de renverser la charge de la preuve et affaiblissent les droits de la défense devant les tribunaux. Vous voyez, avec cet exemple portant sur l'islam, il est plus difficile de départager les candidats. Le Pen est cash. Macron, lui, fait évoluer son discours en fonction de son interlocuteur. Macron, comme souvent, dit tout et son contraire. Son seul but, c'est de se faire élire. Rappelez-vous de ses prises de parole promettant qu'il ne rendrait jamais la vaccination obligatoire pour finalement l'imposer à de millions de citoyens. Idem pour le pass sanitaire, puis vaccinal. Macron est fourbe. Plus que la plupart des politiques, l'hypocrisie est dans son ADN. Pour qui voter ? Je vous invite à faire votre choix en fonction de vos convictions, en lisant leur programme et en choisissant le moins nul. Je pourrais les détailler ici, mais la vidéo ferait 3 heures. Pour faire bref, Le Pen est plus souverainiste que Macron, son programme se rapproche de celui de Mélenchon, même s'il existe quelques divergences. Macron, vous l'avez vu pendant 5 ans, il va continuer sa politique pro-européenne, la destruction des services publics et des acquis sociaux. Chaque individu doit faire un choix libre et éclairé, sans suivre de consignes de vote de la part de partis politiques, d'artistes ou de célébrités. Je ne blâme pas les personnes qui voteront blanc, nul ou qui s'abstiendront car ne voulant aucun des deux candidats. Moi-même, il y a longtemps que je ne crois plus en la politique politicienne. La 5ème République est un semblant de démocratie où le peuple n'est qu'un figurant. Malheureusement, il devra forcément y avoir un gagnant entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce qui est regrettable pour ce deuxième tour, c'est surtout d'entendre les mots barrage ou front républicain. Le front républicain, ça aurait dû être une sanction dès le premier tour contre le monarque au bilan catastrophique. Il fallait sortir Macron. Macron a été plébiscité et il a fini premier. C'est ça qui est fou. Si la majorité des votants sont amnésiques ou cons, tant pis pour nous. Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il reste une infime possibilité pour ne pas donner le pouvoir total
à Macron ou Le Pen, c'est de voter aux prochaines élections législatives afin d'imposer un gouvernement de cohabitation, c'est-à-dire de ne pas donner une majorité au président élu. Exemple, si Le Pen est élu, votez massivement pour la France insoumise. Le Pen présidente et Mélenchon Premier ministre, ça pourrait être marrant, hein, ça serait l'enfer pour Ursula, l'Union européenne et les États-Unis. Si Macron est élu, les électeurs aveugles, sourds et fousaliers risquent en revanche de lui donner la majorité présidentielle grâce notamment à l'abstention et au déficit de notoriété des élus LFI, RN ou autres. Bref, votez utile, votez pour moi. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.